je me suis longtemps demandé ce que c'était le bonheur. Puis surtout, comment fallait-il l'apprivoiser ? Sortir de sa zone de confort, explorer le monde, rencontrer d'autres gens et profiter à fond. Alors oui, je sais que ce format est très loin de ce que je fais habituellement ici, mais j'avais envie de vous partager une semaine de bonheur et de rire. Une semaine de bonheur avec moi, avec des gens que je ne connais pas, une langue que je connais à peine. So, il est 20h, nous sommes au restaurant. With you, I found my peace somehow. Let go of every thought that was holding me back. Hello! Oh là là, cette tête! Je vais me cacher derrière mon Starbucks. Ça pour dire que nous sommes arrivés tout Liverpool. Des aubergines. J'aime pas les aubergines. It's a child. I love this. Ça, ouais, alors ça c'est marrant parce que ça c'est pas écolo, mais ça, parce qu'en fait en gros les pailles, je t'explique, ça rentre quand tu les jettes dans la mer, ça rentre dans les nez des tortues et ça les. Voilà, bref. Donc ils veulent tes pailles en carton, sauf que ça dans 15 minutes ta paille elle est dead. Je dis toujours sorry for my English. Parce que I am English, I'm not sorry. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on en a cherché le Airbnb pendant beaucoup trop de temps. Donc je dis à Charlène, j'ai le code, je mets le code et j'essaye d'ouvrir. Il y a un mec qui sort de la pas avec son sandwich. Il n'était pas intéressé que par la porte, ça ne serait jamais réalisé. Il a donné son numéro, mais grave, c'est impossible. La femme qui nous a aidés, après, elle a dit, il est mignon, ce gars. Donc après, il y a un monsieur et sa femme qui ont débarqué. Trop gentils. Ouais. Ils sont tous gentils. Mais ouais, et là, ils ont dit qu'est-ce qui se passe et tout, et on leur explique. Genre, ils ont tous pris 10 minutes pour nous aider, pour appeler des gens ouais. Alors qu'ils nous connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Puis on est dans un Airbnb, les gars. De malade. Jolie chambre, tout d'abord, ici. Avec, genre une chambre avec une petite moquette. Et un petit miroir pour faire des outfits of the day, you know. Hi. Hi. Après nous avons la petite salle de bain, bon voilà. Après nous avons juste une cuisine. Oula, une cuisine incroyable. Et je vois que mon objectif est sale. Bon, on est où? Parce qu'ici il y a un truc comme ça qui s'appelle ça, qui est à base de fromage et que j'aime trop et qui n'y a pas en France du coup. Go to the max. Et pourquoi on achète une massue? Une massue? Ouais. Mais parce que. Pour péter l'impion. Ouais, mais il faut que vous allez voir son vlog, elle, parce que moi j'ai pas filmé, mais. C'est une catastrophe. Bon, on est pas pressé. Hein. Allez, roule ma poule. Where are you going now? Je sais pas. Si, c'est le malaise. Non, mais parce qu'il faut qu'on vous raconte juste. Vous savez, on vous a parlé du mec du sandwich hier. Et en fait, genre, il nous a proposé de se voir pour discuter et tout. Sauf que c'était vraiment hyper gênant. Et genre, je crois qu'on vient de le recroiser à l'instant. So, là, on vient de finir l'école ce matin. Et ouais, voilà. Du coup, là, on a trouvé un bon resto. Je me suis fait un petit look casual. T'as vu les ouvriers ou pas? Mais j'espère que cette semaine sera bien. Mais une tarte de retourner à Manchester très bientôt. Si Alba, tu comprendras. I miss you so much. Forcan. Forcan and Alba, you miss me so much. Hello, hello! Putain, mes cheveux ils sont tellement abîmés! Là, c'est le deuxième jour, on est mardi, donc ce matin on est allé visiter, comme je vous ai montré tout ça. Mon petit sac à dos! T'es sûr que c'est par là l'école? Oui! Moi aussi j'ai mon petit sac à dos, mais moi je suis une vraie parce que j'ai un petit sac à dos de l'école! Donc voilà, on va faire les premiers cours, donc on espère qu'on sera ensemble. Forcan, on lui a appris je vais te tuer, parce que tu sais qu'à chaque fois qu'il. Enfin, en gros, j'étais en cours avec Forcan et il était toujours en train de m'embêter, et à chaque fois je disais oh, je vais te tuer! Hello, je vous
récupère comme ça. Du coup, je suis toujours avec Charlène, évidemment. Je ne l'ai pas abandonnée. J'ai mis ma maille fossile. Yeah. Ah, est-ce que je suis jalouse des tiennes? Il y en a un qui se décolle, je crois. Ouais, celui-là de ce côté-là, non. Non, mais ça va, ça se voit. Non, ça passe. Bah, on te voit pas là. Bah, t'es trop mime. Écoute ça. Dis-moi ce que t'en penses. Ah non, j'aime pas. Je vais te tuer, it's I won't kill you, and je vais te secouer, it's I won't sex with you. Yeah, where we are going? It's at the restaurant. Je vais te tuer. Je vais te tuer. What is this song with S? Meet the same C and C and S. It's the same song. Why you have differently lit? Because it's the same word. Taban Karaha. Karşı. Karşı. Turk. İstaka. Olkam. Olmak. Olmak. Yes. Hello, bon moi je vous retrouve dans le vlog, je sais pas quand, je sais pas où. Du coup je le ramène à la gare pendant que Charlène est en train de faire à manger, de ranger l'appart, etc. Oh, I feel like that because I have really good two friends and also they teach me some French words. Yeah, like yeah. Like jouet et jouet and voulez-vous coucher avec moi? I know, Mujuk, Ashkum. Yes. C'est pas vraiment facile parce que des fois genre on essaye de parler des sujets genre géopolitique ou de guerre ou du racisme et tout ça. Et en fait bah, c'est compliqué de se faire passer les idées, mais je pense que c'est vraiment cool parce que c'est vraiment multiculturel. Mais je savais pas qu'une mouette était aussi grosse. Si, c'est la taille d'un chihuahua. C'est le chihuahua, c'est plus petit. Oui, bah oui, d'accord. C'est une mouette quoi. Ok. Bébé découvre la vie. Bon, on doit remplir le papier là pour la graduation. C'est pas vraiment une graduation, c'est un certificat. Donc c'est parti. Yeah, because I stay 1 week there and 1 week in Manchester. True. So which is better? Yeah, Manchester. Hey, sorry. Hey. No, can you hear me? But I'm very happy because I met very friendly people and hey, thank you for everything and thank you for C'est trop bien, on a une petite chambre, regardez, hop, on a une petite vue sur de la merde, hein, je pense, parce que nous, c'est genre les youtubeuses beauté, elles font toujours des close-up et on y voit trop bien. Waouh, c'est... Waouh, bah bref. C'est le dernier soir, on mange une pizza avec Charlène et Bianca qui est ici. Hello les petits cocos. Du coup, on est avec Charlène qui est derrière en train de se préparer. Je vais vous montrer mon beau make-up et mon plus bel outfit. On est en train de se préparer avec Charlène pour aller à notre dernière soirée, on va aller en boîte. Je me suis fait fraîche comme jamais, je crois que dans le vlog... C'est la première fois que vous me voyez un peu potable. Non, je suis tous les jours potable, mais que vous me voyez genre sur mon 31. Vous avez jamais l'habitude de me voir hyper maquillée, hyper voilà. Bon, mes cheveux là, ils sont totalement naturels. J'ai opté pour les laisser free. Parce
que l'abus de lisseur est mauvais sur la, pour la santé, bien plus que l'alcool, je pense. La meuf qui promoit. Bon, ok, vous pouvez boire, mais vous lissez pas trop les vaches parce que c'est pas très bon pour la santé. Oui, on va aller en soirée. Oui. Oui. En NCG family, because yeah. We're all from NCG. Le problème c'est que je suis trop je t'aime. Yes, me too. Il faut aller. Je t'aime. Je t'aime. Et and on you avec je t'aime. Sarang et yo. Sarang et yo. Like this. Sarang et yo. Hello, je vous retrouve dans, je pense, l'énième partie du vlog et sûrement une des dernières. Ce sont les derniers instants. Alors, plus ma tête du matin, vous vous doutez que c'était une soirée qui a fini très tard. Moi, jogging aujourd'hui, il n'y a pas de souce. Ah non, je reste dans mon plus bel outfit. Cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. C'est le moment de dire au revoir. Quoi qu'il en soit, c'était une aventure incroyable et j'ai pas de mots pour décrire tout ça. Je pense que vous l'avez vu à travers ces deux vlogs. C'est vraiment une aventure humaine extraordinaire et je remercie tout le monde et je vous souhaite vraiment de vivre une expérience similaire parce que je sais pas, c'était incroyable. J'espère que les petits vlogs vous auront plu. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouverai dans de prochaines aventures. Bisous!